J'ai envie de dire aux autres parents de s'entourer d'autres parents. J'ai envie de dire aux parents de faire tout pour qu'ils puissent s'aider à rester parents. C'est un tourbillon d'avoir un enfant en situation de handicap. C'est un tourbillon d'avoir un enfant avec une maladie génétique rare. Et pour pouvoir s'accrocher et sortir de ce tourbillon, il faut absolument s'entourer. La famille, ça peut être compliqué. Nous, on a cette chance d'avoir des parents respectifs, mon mari et moi, qui vont nous aider comme ils peuvent, le plus possible, chacun à leur façon. Et ça, c'est énorme. Mais je sais très bien que d'autres parents, c'est pas aussi évident, c'est pas aussi simple. Et à un moment, moi j'ai dû faire face quand même à un peu de déni de la part de ma famille. Alors moi-même qui venais de passer cette étape, bah, je me retrouve avec mes parents qui disent « Non, mais t'es sûr que les médecins, ils se trompent pas? » Bah non, ils se trompent pas. Et clairement, oui, il y a besoin d'un accompagnement pour eux aussi. Mais ce qui est important, c'est nous, en tant que parents. Et moi, j'ai juste envie de dire, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, entourez-vous un maximum et informez-vous sur vos droits, sur ce qui pourrait aider vos enfants. Et gardez en tête que votre enfant est unique et donc qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et même si c'est un peu effrayant, ben en même temps c'est rassurant parce que personne n'a le droit de vous juger sur ce que vous ferez.